Marie visite Élisabeth. En ces jours-là, Marie s'est mise en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix haute. Tu es bénie en toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vient jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureusement, celle qui a cru l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Selon les coutumes de l'époque. Yeah.
Thank you.
l'annonce aux bergers. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leur troupeau. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je viens pour annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous êtes né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur, et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Les bergers étaient tous étonnés et ne comprenaient pas ce que cela pouvait signifier. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Thank you.
cherche sa parure. Et voici du lait de nos brebis. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Où est le roi des Juifs qui vient de naître?
Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devrait naître le Messie. Ils lui répondirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit dans le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant, allez-vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'il avait vue se lever le précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leur présent, de l'or, de l'encens et de la mer. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire,
la gloire qui tient de son Père comme fils unique, plein de grâce et de vérité. Il y a un chant final, mais pour le chant final, j'aimerais avoir, il y aura beaucoup de monde, mais il y a d'autres enfants dans la salle. Les enfants, vous pouvez venir en avant. Les autres enfants, venez-vous-en, il y a en masse de place pour tout le monde. Venez-vous-en en avant avec les autres. En avant. Tous les enfants. On veut tout le monde debout pour chanter et taper des mains. Il y a de la place en avant, je vois Jean-François. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël. Où les bergers étonnés levèrent les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire, suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Cette étoile sur les chemins de Judée, des quatre coins du monde, d'autres les ont imités, et ce chant comme une source a traversé le pays. Il est nécessaire.
cette nuit en chambre. C'est cette nuit de Noël, dans le cœur de chaque personne, peu d'amour descend du ciel. Tant de choses nous séparent, cette étoile nous unit, il est né cette nuit. Donner la, c'est Gilles.